cet événement qui est un événement important, le Forum de l'investissement hôtelier en Afrique. Aujourd'hui, il a été question du rôle du Maroc dans le cadre de la stratégie que prône Sa Majesté de coopération Sud-Sud et tous les accords de partenariat qui ont été signés avec les différents pays africains sur le tourisme. Le tourisme au monde vit un fort momentum et c'est le moment d'investir et de financer des projets, mais en particulier en Afrique. En 2017, le secteur a connu une croissance de plus de 8%, la plus forte croissance au niveau mondial a été dans le tourisme. Et donc nous avons exposer tout ce que fait le Maroc pour l'attraction d'investisseurs dans notre pays. Donc nous recherchons des investisseurs de qualité aujourd'hui, des investisseurs structurés et à travers plusieurs actions, que ce soit la mise à disposition de réserves foncières, que ce soit la garantie de crédit pour faciliter le financement bancaire, que ce soit le travail sur l'informel de sorte à ce que les investisseurs qui sont au Maroc puissent bénéficier de rentabilités acceptables et également l'accompagnement d'entreprises donc touristiques au niveau de tout ce qui est digitalisation, le travail sur l'informel et le cadrage de l'informel qui est important pour permettre à ces entreprises d'être rentables, mais également et surtout de pouvoir travailler sur l'émergence de champions nationaux structurés qui puissent offrir une image de marque de notre pays. Comme vous le savez, aujourd'hui se tient le forum sur l'investissement touristique, le FIA, le forum de l'Afrique, à Marrakech. Marrakech qui connaît un développement important pour le développement touristique, que ce soit en termes d'investissement ou que ce soit en termes d'arrivée. Marrakech, première destination d'Afrique, c'est important pour nous que ce forum se tienne là. C'est une société privée qui organise aujourd'hui ce forum. Elle organise les plus grands forums d'investissement touristique dans le monde, que ce soit à Dubaï, à Berlin ou d'autres destinations. Pour nous, c'est une aubaine de pouvoir ramener plus de 300 personnes qui s'intéressent au Maroc et qui vont intervenir dans le cadre de ce forum, dans le cadre de tables rondes, dans le cadre de discussions, mais aussi de partenariats économiques de développement. C'est pour nous aussi important que le Maroc soit une plateforme de développement vers l'Afrique. Et donc c'est pour cela que nous sommes partenaires de ce forum dans le cadre de son développement. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.